Hi folks, salut les gars. Premier vol de l'année 2023 avec le magnifique Alpha Jet de chez X-Fly, turbine de 80 mm qui est alimentée par une CNHL 6S 4070C qui est placée tout à l'arrière. C'est pas compliqué, c'est carrément en butée arrière. Et ça nous donne un CG de 160 mm. C'est 5 mm derrière la recommandation du livre. Donc on va voir ce que ça donne. Il pèse 2,9 kg. Prêt à voler, 1,25 m de long. Donc on va voir le premier vol de l'année 2023 avec ce bel Alpha Jet. So guys, today it will be the first flight of the year 2023, and it will be with the X-Fly Alpha Jet from the Patrouille de France. This is an 80 mm EDF. Inside there is a CNHL 4000 6S, and this is a 70C pack. And it's placed all the way back to have a CG of 160 mm. This is from there, from the very root of the wing, and this is 160 mm. This is just 5 mm behind the book. I've got triple rates as usual with my own low rates. My mids are the low from the book, and my high are the high from the book. And I will take off with the book's low rate. Donc j'ai 3 débattements les gars, hein, comme d'habitude. J'ai mes tout petits débattements à moi, les petits débattements du livre qui sont mes moyens. Et mes grands débattements sont les grands débattements du livre. Tout est bon, à droite, à gauche. On a des volets. All the rates are in the description guys, of course. Check the description to know everything. Donc ouais, tous les débattements sont en description, hein. N'oubliez pas d'aller checker ça en description. On va décoller en lisse. On va décoller en lisse avec les petits débattements du livre. Sans gyro. T'es bon Robert ? Moi je suis bon. Eh ben allons-y. Wouh ! Allez, tout de suite on met les petits débattements de chez moi. J'ai besoin de trim à gauche, un peu de trim à piquer. Ok. Eh ben, ça tartine. Ça tartine. Alors, il me faut, encore du trim à cabrer. Et j'ai réduit mi-gaz. Ouais, c'est pas mal. Je pars à droite, pardon, excuse-moi. Je regarde mes petits débattements pour voir ce que ça dit. Et plein gaz, on monte. On va tester le CG. Oh, et ben c'est parfait. That's neutral, guys. That's neutral. C'est carrément neutre. Il reste sur sa descente. Excellent. Ouais, ça marche bien. Il y a des petites turbulences hein, là-haut. Hein. On va faire un beau passage à l'anglaise en venant de la droite derrière. La dedication pass. Je suis là. Et plein gaz. Et ça monte. J'ai mis le gyro. Ouais, il a besoin de quelques petits crans de trim. On va essayer les volets. Je suis plein volet, train sorti. Full flaps. Bon,
Ouais, eh ben, ouais. Je vais m'arrêter là-dessus. C'est un vol de 2 minutes 48. Eh ben, c'est pas mal, c'est pas mal. Voyons voir. C'est bon. Ouais, donc on a 2 minutes 48 de vol avec 2 minutes 36 de moteur. Et donc, il nous reste 3,84. Mais bon, ça va remonter encore. Hein. Je suis sûr que c'est du 3,85. So, guys, you can see 3,83, but it will rise a bit, of course. Only 2 minutes and 48 seconds of flight. And yeah, that's not bad at all, but I think I have some I've got some rates to adjust and maybe slow down the pitch, the elevator. I will see. But yeah, that's a real good jet, and as you have seen, it's very very fast. Ça va vraiment vite. Mais ouais, ça promet. Ça promet, c'est un super bel avion. On le voit hyper bien en l'air avec les couleurs, c'est top. Et je pense que ça consomme pas des masses. Ouais, je suis à 3,85 là. 3,85 volts right now, guys. So yeah, it's very I think it's efficient. If you don't fly full throttle all the time, it could be very efficient. So yeah, very good one. So I hope it will be a good first flight video for this new year to 2023. Bah, j'espère que ça va être une vidéo cool. C'était pas mal, Robert? T'as bien filmé? À un moment donné, non. C'est normal, je suis arrivé au-dessus de nous. Ouais. Ok, cool. Eh ben, je vous mets, comme d'habitude, tous mes liens en description. N'hésitez pas à aller checker les CNHL et puis chez Turbine RC pour acheter ce bel petit Alpha Jet. So guys, don't forget to check the description. As always, everything is in the description for the lipos and the plane at turbinerc.com. And thank you so much for watching. Thank you, everyone. And I hope you like this first flight of the new year. And don't forget to subscribe. Always, it's very very important for us on YouTube, guys. N'oubliez pas de vous abonner, les gars, et puis de mettre un petit like si vous avez kiffé. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. See you very soon, folks. Bye.